Les deux ou trois dernières décennies ont vu une vague massive de délocalisation. Et ne nous voilons pas la face, quels que soient les arguments affichés par les entreprises, les délocalisations n'ont eu pour seul but que de réduire les coûts. Et pourtant, depuis quelques années, nous assistons à des relocalisations. Alors, pourquoi? Alors, ce qui vient immédiatement à l'esprit, et notamment en ce moment, c'est de ne pas être confronté à des pénuries, à ne pas être démuni. Mais en fait, il y a d'autres symptômes qui surviennent, parfois de façon évidente, et souvent de façon sournoise, et petit à petit, ils tendent à devenir chroniques. Alors, le premier de ces symptômes, c'est que les baisses de coûts ne sont pas au rendez-vous, ou souvent ne sont plus au rendez-vous. On peut citer, par exemple, l'exemple des jouets Smoby, a été confronté à la hausse assez forte des salaires industriels en Chine, toutes ces dernières années. Un autre symptôme, c'est les délais d'approvisionnement qui sont trop longs ou mal maîtrisés. Et donc, la réactivité face à un imprévu devient une vraie gageure. Et ça a été aussi le cas des jouets Smoby, dont une partie ressemble à des produits de mode. Alors, troisième symptôme. C'est la qualité qui baisse ou qui n'est plus ou pas satisfaisante. Et toujours dans le domaine du jouet, ça a été le cas des poupées Corolle. Un dernier symptôme, c'est le produit qui n'est plus maîtrisé, alors que le produit est une valeur de l'entreprise. Et ça, on peut le voir par exemple dans le cas de Kousmiti, qui s'est appliqué à relocaliser sa fabrication de boîtes métal depuis la Chine vers la France, puis l'ensachage du thé depuis le Maroc vers la France. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont réussis et qui sont encourageants. Mais avant de relocaliser, il faut analyser une situation qui est souvent complexe. Et pour mettre en œuvre les actions de terrain, on a besoin après de compétences multiples. Pour décider et conduire des relocalisations, Inotelos a développé une méthodologie originale. Cette méthodologie comporte 20 questions pour bien analyser la situation existante et ensuite 20 actions possibles de relocalisation dont on décidera celle à conduire et celle qu'on ne lancera pas. Et nous avons synthétisé les grandes lignes de cette méthodologie dans un canevas qui en résume les points saillants. Nous vous invitons à suivre nos prochains épisodes qui aborderont des points clés de la relocalisation.